Voilà, on se retrouve avec notre petites encres. Donc chez moi, il y avait une autre manière de les faire aussi. Si on regarde, donc dans le pulvériseur avec de l'albacool, sauf que j'en avais pas, donc j'étais récupéré dans un lac qui se trouvait juste à côté. Hein. Aussi, j'ai déplacé ma table dans le champ, donc pour arriver niveau 30, on va changer ça. Pour arriver niveau 30, il faut simplement mettre les bibliothèques autour du tank. Donc là on est un peu à full, je me suis fait une épée en diamant. Voilà, je me suis fait une enchante niveau 1. Ça va très bien, Sharpness, ça m'arrange très bien. On va poser ça là. Hop, par contre ça je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Tac tac tac. Et personne ne sait, hein. Je sais pas pourquoi mon ami l'avait fait, mais c'est pas grave. Voilà, je crois qu'on a tout pour l'instant. Je crois que je voulais pas vous montrer autre chose encore. J'avais fait. Bug de chunk par là-bas. C'est pas bien grave. Tac. Ici, j'ai fait cuire quelque chose. Non, je crois que c'est bon. Donc j'ai mes petites fleurs. Tac. Ça m'en donne deux. Ensuite, il me faut bien sûr du lapis-lazuli aussi. Tac. Ça suffira. Est-ce que j'ai du bois? Oui. Voilà. Donc le filler. Ok, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Alors un coffre. Une table de craft, tac, le super bench achievement, magnifique. Et ensuite, il me faut donc des. Ça, j'en ai deux chez moi, donc ce sera parfait. Qui sont ici, voilà. En plus, j'ai tout ce qu'il me faut. Tac. Hop, voilà, deux en or. Et ensuite, il me faut encore ceci, donc on va s'en faire un peu plus que deux. Vous verrez pourquoi. Donc là on va en faire une ici. Et ensuite on va s'en faire. On va faire peut-être 6, ça devrait suffire. Enfin, c'est pas comme ça. D'abord de la redstone. Bon 3, ça devrait suffire, j'espère. Au pire, c'est pas bien grave. Voilà, je crois qu'on a tout. Tac. Tac, tac. 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 Et ensuite. Tac et tac. Non, alors c'est pas comme ça. Ah oui, oui. Je suis bête. J'allais oublier ça. Voilà, hop. Non, pas là. Là, voilà, c'était ici. Donc il est plein. Est-ce que je le casse comment? Ça ne change rien. Normalement, je peux le casser comme ça. Voilà, donc. Pourquoi il est vide? C'est quand même pas vider toute l'énergie en l'ayant cassé. Ça me. Ça manquait un peu. Pourquoi est-il comme ceci? Pourquoi lui il veut pas aller au bout? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc pour en faire un filler déjà, je vais vous expliquer si en fait ça veut bien se remplir. Donc lui il est toujours full. Pourquoi? Je comprends pas. Je reviens tout de suite. J'ai trouvé la petite solution. Et je reviens. Eh bien voilà. C'est bon. Là, le problème est résolu. J'avais complètement zappé ça. Enfin, tout d'abord, je me suis gouré déjà de wrench. Donc c'est pas avec celle-là, c'est bien avec la Crescent Hammer. Et ensuite, pour qu'on remplisse un énergie cell, il faut donc aller dans la configuration et mettre celui du bas en bleu et non pas en jaune comme il est de base. Et en orange, c'est pour la sortie, donc il faut en rouge, en bleu, pardon. Donc ça peut se remplir, voilà, comme ceci. Sinon, en attendant de faire ça, je vais vous montrer, enfin, que ça se remplisse, ça finisse de se remplir. Je veux vous montrer un petit truc. Donc oui, je regarde pour le serveur panel comment ça se fait. C'est pour plus tard. On va se faire le glider. Donc vous allez voir, vous allez voir ce que c'est. Ça va être assez drôle. Donc, il nous faut des sticks. Hop, voilà, comme ceci. Hop. Et donc pour ça, j'ai dû aller faire une petite chasse aux vaches en attendant que j'arrive à trouver une petite solution.
comme ceci. Donc il nous faut deux pour ensuite crafter ceci. Vous allez voir, c'est assez drôle à comme objet. Donc ah, attention, alors on va aller en haut de ma montagne que je vais d'ailleurs nettoyer bientôt avec ce petit truc, petit caca qui est là-bas. Tout ça grâce au filler qu'on aura bientôt. Donc vous gardez en fait, c'est un, pour ceux qui n'avaient pas remarqué par rapport à la forme, c'est un deltaplane. Donc il faut l'avoir dans la main, pas l'équiper ici, mais vraiment dans la main. Et ensuite, vous faites un clic droite, il va s'activer. Voilà, vous voyez. Vous voyez pas trop. Vous faites juste un clic droite une fois. Donc là, enfin, voilà, là c'est que j'ai encore déjà s'appuyer, mais une fois un clic droite, ça suffit. Là, il est dans votre dos dès que vous marchez, donc c'est quand même assez swag. Voilà, hop. Et ensuite, dès que vous avancez, eh ben, il s'envole. Donc on va essayer de s'arrêter par exemple là pour vous remontrer. Comme ça fait assez stylé, je trouve, hein, de rester appuyé comme ça. Oula. Comme ceci. Ah non, c'était nul ça. Et ensuite, ben, on peut voler. Ouhou. Super man. Attention. Boum. C'est super stylé, je trouve. Ouais, bah, c'est juste pour s'amuser, mais aussi pour se déplacer. Ça peut être assez intéressant. Donc, également, en allant miner un peu du... cherchant des vaches, par exemple, j'ai récupéré donc ce qu'on avait vu avant, donc du tétraédrite. Et en fait, ça peut nous donner du copper. Donc, pas de tour de se connecter. Donc là, c'est directement passé là et ça me donne du tétraïde de dust qui se transforme ensuite en copper nugget. Super intéressant, moi je trouve. Ça peut être aussi assez utile. Donc voilà, là il est bientôt plein. On va pouvoir le récupérer, je pense. Tac. Et récupérer également ceci là. Parce que c'est pas utile. Voilà. Salut. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc on a notre filler. Il vous faut donc les petites marques comme l'aquarium. Et on va pouvoir aller commencer à faire ce qu'on doit faire. Je vais manger, donc je chunk load juste. Ok. Donc, ensuite, c'est comme une quarry, plus ou moins. Donc, on va commencer par ici. On va faire un petit clic, une petite marque ici. Ensuite, une ici. Donc, on va pouvoir relier en faisant un clic sur un des deux. Ensuite, il faut que je parte par là-bas. Donc, on va aller directement par-dessus la montagne. Tac. Il me faut une hauteur. Ouais, on va faire assez haut quand même. Donc ici, comme ceci, là, hop, on va descendre déjà par plus que là. Par contre, je vais pas savoir la couche, donc c'est pas super. En fait, ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas, on va quand même creuser en fait. On va creuser par là-bas. Voilà, jusqu'ici. Ah, mais j'étais presque. Hein. On va refermer pour l'instant là-haut. Hop. Vous y voyez rien. Tac. C'est pas bien grave. Bon. Donc, on va en mettre un par exemple ici. Qu'on va relier. Et ensuite, un ben, juste ici. Voilà, on relie tout ça, ça vous fait de la haute, enfin un carré là-bas qui fait une hauteur, et ensuite la base, et ensuite vous collez votre filler. Ça fait comme une quarry, donc il faut juste récupérer toutes les petites marques si vous voulez pas les perdre. Voilà. Donc le filler, il doit être alimenté par de l'énergie bien sûr, et on va mettre donc celle-là d'énergie, hop. C'est pour ça qu'il va nous être utile celui-là. Donc ici on doit mettre à gauche en orange. Normalement, ça devrait aller. Donc, bah d'abord, on va juste casser ça pour ça. On va garder ça pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, on a plusieurs choix. Donc, dès qu'on fait un clic droit dessus, donc on voit une zone d'inventaire. Et ensuite, des petits choix à faire. Donc, il y a la possibilité de faire fil. C'est de tout remplir. Donc de remplir toute la zone qu'on met si on met par exemple quelque chose là-bas. Je vais tout vous montrer par la suite. Donc pour l'instant, je vais laisser ça là. Ensuite, on a flatten, donc ça aplatit juste. Donc c'est un peu bizarre comme c'est, vous verrez pourquoi.
Ensuite, on a Horizon, je crois que ça, enfin, ça aplatit, mais en laissant le bloc jusqu'ici, alors que Flatten, ça enlève, donc ça va aplatir ben, jusqu'à là par terre. Ensuite, on a Pyramide, donc ça va laisser une pyramide au milieu. Après des escaliers, ça va vous laisser des escaliers de cette façon-là. Et la boîte, ça va vous faire un cube au milieu. Et ensuite, clear, ça va tout vous enlever. Donc, on va d'abord vous montrer le fil. Tac, normalement, il faut que je le mette dans la bonne direction. Non, c'est tout bon. Normalement, ça devrait se remplir. Alors, moi, il faut. Voilà. Il faut que je mette de l'énergie qui sorte. Et vous voyez que ça remplit bah, dans la mesure du possible. En prenant les blocs qui sont ici. Donc, après, on va bientôt arriver à plus pouvoir remplir. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une quarry à l'envers. Pour ce cas-là. Ensuite, on va faire flat turn. Bah, ça enlève. En fait, ça enlève juste la couche du haut, je crois. Si je fais pas de bêtises, en fait. Non, pour aplatir, mais sur. Ouais. Juste sur. Sur une zone. Donc voilà, excusez-moi, j'ai une petite coupure. Mais grave, et en fait, la petite creuse que j'ai faite, eh ben, c'est ça a creusé. Ben, jusque dans ma maison, ça m'a juste pas coupé mes bibliothèques, heureusement. Et donc ça vous enlève, donc ça aplatit jusque-là. On va juste. Par contre, ça enlève, ça supprime plus les cubes, hein, à savoir. On va juste remettre. Non, on va juste essayer de faire horizon, ça va rien changer de plus. Pyramide, ça ne change rien. Stair non plus. Box, ça fait rien. Donc on va juste refaire un petit test. Alors on va casser ça. On va refaire un petit test juste ici, à côté. Voilà, hop. Donc j'avais dit la porte ici. Tac. Comme ceci, hop. Et ensuite on va creuser. Ben. Ouais, ici. Pas ici. Non, on va faire ça un peu plus loin. Ouais, on va faire ici plutôt. Comme ceci, là. Tac. Coller avec jusque là, voilà. Ensuite, ben, jusque un peu plus loin par là-bas au fond. Comme ceci, hop. Et ensuite, on va monter ben, jusque là, comme avant. Voilà. Et il faut encore relier. Non, non, c'est bon. Et ensuite, on met le filer ici, donc mes petits câbles juste ici. Et voilà, donc là, il faut que je mette de nouveau en, non, en orange, c'était juste. Ici, j'ai en fil, donc on va essayer par, donc en, par exemple, essayer en pyramide. Est-ce que ça creuse? Ça a l'air. Hein. Je suis pas sûr. Mais ça a l'air de creuser. Parce que là, ça me descend mon énergie assez assez rapidement. Pourtant, je vois pas trop de différence. Ok, donc ça me l'a construit en fait. Ok. Ça me l'a construit, donc on va pas faire comme ça. On va juste faire simplement clear. Et là, ça va tout vous enlever et vous lancer des blocs par le bas. Pour le coup, on va éclairer. Et voilà donc comment marche un filer. Oh, c'était vraiment limite alors hein, là pour le coup. Vraiment limite, limite. Donc par contre, ça utilise pas mal d'énergie. Et voilà, on a, vous avez vu comment faire donc pour creuser rapidement dans, bah, dans une zone comme celle-ci. Donc voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc on a vu pas mal de choses. Donc on a vu ben, le compresseur, l'extracteur, les machines thermal expansion un peu. Et on a vu donc le filler et les énergies cell qui sont des choses assez pratiques. Voilà, je.
crois qu'on en a fini pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en voulez en vouloir plus. Et si vous avez aimé, bah, lâchez un petit pouce bleu. Et sinon, bah, vous pouvez lâcher, vous pouvez poser ou lâcher vos questions dans les commentaires. Ou même simplement commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, bah, je vous dis ciao ciao.